Hola muchachos! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va super. Aujourd'hui on va à Porto. Du coup je vous emmène avec nous. Là il est 10h46. On y va un peu plus tôt du coup pour manger là-bas. Et ensuite on rejoint le cousin de Marco pour qu'il nous montre un petit peu tout ce qu'il y a à faire à Porto et tout. On est déjà allé plusieurs fois là-bas mais on a plus visité qu'autre chose et on n'a pas vraiment cherché les bons restos ou les bons trucs comme ça. Donc écoutez, je vous emmène avec moi. Il y a quand même un truc qui m'énerve parce que du coup j'avais prévu mon petit micro et au final j'ai pas emmené l'embout qui va avec ma caméra pour mettre le micro. Alors je suis un petit peu énervée contre moi-même. Mais ça va. Du coup bah écoutez là on est en train de faire le plein. Et puis enfin on va pas faire le plein parce que le prix c'est excessif. Mais du coup on met de l'essence et ensuite direction Porto. Ah bah vous pouvez le voir là. Juste ici. Bon, du coup, on est au walk to walk. On s'est pris un petit walk des familles. Super, super bon. À chaque fois, on vient ici, on prend ça. Je suis en train de vous uploader une vidéo. Donc voilà. Bon appétit! Bon, du coup, on a fini de manger. On est chez Vorten. Puis on regarde des petits trucs. Voilà quoi. Les drones, les trucs de gaming, les ordi. Mais on n'achète rien du tout. Ah, il y a les étrables. Ah, les télés aussi, du coup. Ah oui, c'est celle qui fait cadre. C'est ouais. Vachement bien, ça. Ça, c'est stylé. Hein. Ça, c'est cool. Hein. Mais elle est vachement épaisse. Hein. Ah, mais c'est un cadre. Ouais. C'est frame. Bref, et du coup, bah, je me suis tachée. Je sais pas si on le verra à la caméra. Parce que je suis une... Je suis une petite cracra, mais je sais pas manger. Mais pour une fois, c'est moi et c'est pas lui. Vas-y, fais-nous la démo. Regardez ça. Hop, et voilà. La petite caméra. Mais c'est incroyable. Il a appuyé dessus, il croyait qu'il l'avait cassé. Incroyable. Les gars, on vient de tomber sur un truc rare. Le Nimbus 2000 en taille réelle, les gars. Il est limité et numéroté. Je crois qu'on va le prendre. Bon, du coup, on est sorti du North Shopping et là, on va chez le cousin de Marco pour faire un tour dans la ville et tout, qui nous montre des trucs. Et on a acheté des choses qu'on n'aurait pas dû acheter. Je lui ai acheté un ordinateur. Voilà. Il le voulait, donc je l'ai acheté. Et puis il était en promo et franchement ça valait grave la peine parce que c'est le Surface Pro X et en fait il était en rabais juste l'écran et là il nous a fait au même prix plus le stylet et le clavier alors que c'était au moins 300 balles de plus et là il nous l'a offert en fait avec le prix du pour 20 balles de plus en fait il nous l'a offert donc du coup on a le Microsoft Surface, il me regarde, Pro X. On a, je vais le remettre dedans, le clavier. Donc moi je lui ai pris ça. Ensuite Marco il a pris, si j'arrive à le choper, oui. Marco il a pris la souris qui va avec. Et il a pris un, comment t'appelles ça? Les adaptateurs là, un hub. Les adaptateurs, vous savez, pour mettre les USB, les trucs comme ça. Et puis, alors, ce qui est super cool, c'est que je lui ai acheté un ordinateur parce que, en fait, on voulait déjà lui offrir tous un ordinateur avec sa famille et tout l'année dernière pour Noël. Finalement, je sais pas pourquoi on te l'a pas offert. On t'avait acheté quoi? On t'avait acheté un gros truc aussi. Je sais plus
non plus. Mais bref, du coup, on lui avait acheté autre chose. Et du coup, là, on est tombé sur la promo. On a dit, vas-y, fonce, quoi. Du coup, on l'a pris. Mais ce qui est super, c'est que lui a gagné un nouvel ordi. Mais moi aussi. Puisque son MacBook, eh ben maintenant, c'est le mien. Te revient de droit. Me revient de droit, voilà. Exactement. Il m'aura coûté cher, le MacBook. Hein. Merde. Mais voilà, du coup, achat compulsif, impulsif, tout ce que vous voulez. Mais non, mais t'en avais besoin en vrai. Parce que le problème, c'est que son MacBook, dès qu'on est en vacances ou quoi, qu'on n'est pas à la maison, ben, mes montages, je les fais sur son MacBook. Du coup, je lui pourris son MacBook parce que ben, je mets toutes mes miniatures, je mets toutes mes vidéos, tout ça, tout ça. Du coup, ben, toi, t'en avais plus trop l'utilité en vrai. T'allais que sur Internet. Donc, là, j'en ai fait avec les cryptos et tout ça. Ouais, mais du coup, il lui fallait un nouvel ordi pour tout son immobilier, tous ces trucs de crypto et tout. Et au moins, là, il a vraiment son ordi et je vais pas pouvoir lui piquer. Normalement, je devrais pas le piquer. Mais voilà. Du coup, bah, là, on va chez son cousin. On est à 6 minutes. Ça nous aura coûté cher ce début de journée hein, quand même. Une journée à Porto. Voilà, on est déplumé là. On aurait meilleur temps d'aller directement chez mon cousin. C'est clair, on aurait meilleur temps d'aller directement. Parce qu'à la base, on est juste allé au centre commercial pour manger Walk to Walk. Ouais, c'est vrai. Et à la fin, on ressort de là-bas avec des ordinateurs, des souris, des hubs, des tout. Ouais, c'est vrai. Le pire, c'est quand on était au Vorten, je vous ai dit qu'on allait rien acheter. Ouais. On est nuls, hein. Ouais. On tient pas parole. Sans la mer. Mais cette odeur, j'adore. Mais viens, on vient vivre au bord de la mer, chou. Mais il fait froid, hein. Ah non, 25 degrés, ça va. Ça va, ça va. On a été habitué à mieux. Il est 20h17, on a déjà mangé, on est dans la voiture, là on va aller près de la mer. Je sais pas trop où on nous emmène.
coup, ouais, on a mangé et je crois que je vous ai pas filmé d'ailleurs ce qu'on a mangé, mais c'est pas grave. On a marché toute la journée. Je pense que du coup, bah, vous l'aurez vu, j'ai fait pas mal de plans et tout. On a marché toute la journée, je suis crevée. Puis il faisait froid en plus et enfin en fin de journée comme ça, il fait super froid à cause de la mer. Et du coup là, on est dans la voiture, on va je ne sais où. On a les vestes, donc c'est top. Et puis voilà, je vous ai pas trop pris aujourd'hui parce qu'en fait avec le vent et tout, bah, vu que j'ai oublié l'embout pour mon micro, je pouvais pas parler, il y avait trop de vent, c'était trop. On fait quoi, Chou? On va au bord de la mer, c'est ça? Ouais, on va regarder un peu là en ce qui se trame en bord de mer, ouais. Okay. Là, c'est stylé. Je vous reprends, il est 21h42. Finalement, on n'est pas allé à la mer parce qu'en fait, il avait pas de veste, le cousin Marco, et il faisait grave froid, franchement. Enfin, il pensait ne pas avoir de veste, sauf qu'il y en avait une dans sa voiture, mais vu qu'on m'a pas demandé, j'ai pas pu le dire. Mais c'est pas grave, on a passé une super journée, franchement, on a bien visité, enfin, on a bien fait les gros touristes, quoi. Et puis, du coup, là, je suis dans la voiture, j'ai enfin fini d'uploader ma vidéo. Depuis ce matin, quoi, franchement. Donc c'est le vlog, en fait, ben, le dernier vlog normalement que vous avez vu ou pas. Si vous l'avez pas vu, je vous le mettrai dans le petit i. C'est le vlog où je vous fais un haul plus try on et où je vais chez le coiffeur et tout et tout. Donc voilà, là il faut que je fasse encore les pubs, tout ça. Et puis là du coup on rentre. On est à la maison dans une heure à peu près, donc ouais, vers 22h45 je pense qu'on sera à la maison. Là on met de l'essence de nouveau parce que c'était tellement cher avant qu'on a mis que 20 balles en fait, et du coup on va remettre 20 balles. Tu m'as pris de l'eau? Yeah! Merci. Je suis en train de parler, tiens. Ah, c'était gentil. Merci. J'ai demandé de l'eau. Je fais vraiment un effort parce qu'en ce moment on va au minimum 3 fois par semaine à la salle. On a pris des entrées pour la salle de sport. C'est vachement bien ici. C'est pas. Enfin, il y a en abonnement comme chez nous. Par mois mensuel, mais il y a aussi en fait des entrées, et on a pris 14 entrées chacun, donc ça fait 28 entrées à deux. On a payé 70 euros, donc franchement ça va. Et puis on a tout ce dont on a besoin à la salle, donc c'est top. En plus il y a des coachs qui sont là tout le temps, qui passent nous voir, nous demandent si ça va, si on a besoin d'aide, si on a besoin d'un cours particulier, enfin ouais, tout est compris dedans, c'est vachement bien. Et puis on fait vachement attention aussi à ce qu'on mange, donc on est en vacances, on se fait plaisir, mais si on peut, on va essayer de pas grignoter. Là cet après-midi on a pris un éclair, je voulais pas filmer, punaise, il était bon. Et voilà, on va boire de l'eau un maximum, et puis voilà quoi, prendre des protes, tout ça. Un dodi. Je disais qu'on essaye un maximum de pas trop grignoter, de boire de l'eau, tout ça. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu cette journée à Porto. Nous, on s'est vachement bien amusé. Comment elle m'a coupé la parole? Nous, on s'est vachement bien amusé. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Voilà. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, tout ça. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! Attendez, il s'introduit dans un rond-point.